Tu es belliqueux, Master, tu es belliqueux. Je connais tes intentions, je vais te détruire. Et je suis à la traîne. Je vais créer des bâtiments maritimes, comme ça je vais pouvoir faire encore plus de bateaux que j'en ai déjà. Bah je te les souille tes vaisseaux Lorionin. Tu peux pas savoir comment les galères, c'est violent. Oh bah, je sais, en fait, je sais bien sûr, mais c'est pour ça que je me battrai jamais dans la Méditerranée, je préférerais toujours me battre en haute mer. Tu joueras comme un anglais quoi. Bah attends, je vois pas pourquoi on irait sur le terrain de prédilection de son adversaire, là au contraire c'est un abruti. C'est des gens comme Manuel Valls ou François Hollande qui font ce genre de choses. C'est quoi le rapport? Hein, bah, c'est-à-dire des connards, quoi, des abrutis, des nains. Tu arrives toujours à mettre un rap. Ah là là. J'adore la guerre de la Crimée. Hein. Elle la peut pas prendre Moscou et puis elle continue. Ah oui, et puis pourtant elle est en train de. Elle va aller jusqu'à. Elle va tout bouffer. Ouais. Et puis, elle va aller jusqu'au nord du Yéren et puis tranquille. Ouais, la Russie s'effondre, quoi. Il y a même des rebelles. Et par contre, il y a même. Comment ça s'appelle? Moscou qui a été prise par des. Par tes paysans, quoi. Oh, super. Le Scorpion a déclaré la guerre à la Colombie française. Putain. Bon, bah, ça veut dire que je vais ramener tous mes hommes chez moi. Viva el Scorpion. Oh là là, putain, mais alors celui-là, j'ai tellement envie de le frapper. Et je crois que la France, elle est plus en guerre. Ah, si, elle est en guerre contre Hambourg, Crimée, Soude et Bamani. Ils sont en guerre contre lui. Bon, on va. Avant la guerre contre la France, on va reformer son armée. Et puis au final tu vas te faire rouler dessus. Bah j'ai beaucoup de soldats là. Oui mais à chaque guerre tu disais oui mais j'ai beaucoup de soldats, je suis bétonné dans les Pyrénées, ça va bien se passer. Et puis à chaque fois tu t'es fait rétamer. J'ai 7-9 de morale, 73 de tradition d'armée. Je peux le faire Youn. Écoute hein, fais-le, essaye de rivaliser avec ta brillante armée anglaise. Qui elle a réussi anglaise. Ouais, non, mais ta brillante armée anglaise, elle a rien branlé, alors arrête ça tout de suite. Bah non, ça a été la victoire, ça a été la victoire. Bon, bah j'espère que la France ne viendra pas aider son pote, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver en guerre encore contre elle, hein. On va à Navarre, on va à Barcelone, on va là-haut, et on va défendre, on a pas le choix. Et le Congo qui sort en général 2 étoiles, sans pression. Ouais, tu te plains de quoi, Youn? Tu ouais. Parles de Congo, s'il te plaît. Bah oui, quoi, c'est chiant. Te cheat, je suis pas d'accord, hein. Je vais la grève. Voilà. Pour la peine, je viens de lui massacrer son armée, plus 21 de score de guerre. Wouh! C'est chiant. Tu veux qu'on baisse la vitesse? Bon, après, on est à 2. Ah non, mais c'est bon, la vitesse, ça va aller. De toute façon, le français, il est pas là pour le moment. Je vais essayer mes bases. Non, là, parce que là, il est parti dans plein de guerres. Ah, il a terminé sa guerre contre la Crimée, donc c'est déjà pas mal. Il est en guerre contre Hambourg. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? Et Sunda et Bamani. Ouais. Pourquoi il est en guerre contre Sunda? Alors, qu'est-ce qu'a pris la Crimée? Que dalle. Ah, mais d'accord, oui, il fait une guerre dans les Philippines, cette espèce d'andouille. Mais putain, le Congolais, il s'est préparé contre moi. Hein. Il a foutu que des forteresses niveau 4 à ma frontière. T'aimes pas. J'avoue qu'il t'aime pas. Bah, faut dire que bon, j'ai pas toujours été très, très, très gentil avec lui. Hein. Il a bouffé. Ok, le Français a attaqué Gibraltar avec 75 navires. Que du commerce et du transport. Ouais, mais il est bête, hein, le Français. Non, mais attends. J'ai que des galères. Ah oui, bah attends, et après, il dit que moi, je suis un lâche. Oh là là, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah non, mais moi, je protège mon pays. C'est pas pareil. Moi aussi. Non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, c'est encore différent, Youn. Toi, tu es un lâche fini. Déjà, tu joues anglais, tu vois. Ouais, déjà, mais contrairement à d'autres, moi, j'ai gagné mes guerres. C'est normal, t'as pas d'ennemis. si, j'ai eu le français. Ah oui, bah oui. Voilà. Et le français, je l'ai vaincu. Là, le français, je lui refais l'anus. Là. Donc, oui, bien sûr, mais quand tu vas te ramener ces stacks d'armées. Oh bah, moi je les attends, ces stacks d'armées. À chaque fois que tu disais ça et à chaque fois que tu t'es fait péter. Moi je les attends là. Ça y est, je suis prêt. Non, n'y allez pas. Ils y sont allés, non. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Scorpion? Bon bah, on va ramener du renfort, hein. Parce que sinon, on va se faire souiller. Vite. Sinon, ça va faire un trou dans mon armée. Et ça, j'aime pas. Vite, ramener du renfort. Oui, oh oui, c'est bon, je le souille. Bon, allez, alors, une forteresse niveau 2, putain, vous avez 6000 canons, vous êtes 28000, c'est quoi ce cirque? Merde, le français arrive encore en masse. Ah non, il ramène du renfort chez lui. Putain, mais c'est pas possible, c'est quoi ce français abusé? Il a autant de morale que moi. Ah voilà, et voilà, et Scorpio qui faisait le pharo, là maintenant est en train de se faire rétamer. Oh non, 33000 hommes, ok. Et t'es en guerre contre Milan en plus? Bah, je suis en guerre contre tous ses spots au français. Ah bah oui. Attends. Ouais, bah oui. Bon, bah, il va falloir que je refasse 87000 hommes. Super.
Ah, parce que le français, s'il a pas ses alliés, c'est une merde. Je le souille comme je veux. Mais après, il a ses alliés. Et malheureusement, je peux rien faire. Ouais, ça crache la faute sur le Milanais. Bah, ouais, 33, bien sûr. Ouais. 33 000 Milanais, t'as 10 000 Liégeois, t'as 30 000 de Holsteiniens, là, de l'Holstein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Rien faire. Ils sont trop nombreux. Enfin, si, je peux défendre. Oh, le colossal fils de pute, le Yémen qui débarque en Angleterre. Quelle pute. Oh, mais l'enfoiré, attends, tu vas voir. Pourquoi t'es en guerre contre le Yémen? Bah, en fait, il est allié à un des abrutis que j'ai attaqué. Attends, ouais, tu vas voir. Je vais recruter des hommes sur les arrières. Bon, je vais sortir la Royal Navy, et hors de question que ça recommence. Oh là là. Attends, il est allié. Ouais, il est allié à Maldidi. Malindi, pardon. Maldidi. Excusez-moi, je sais pas parler. Maldidi, Maldidi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est des goulou-goulou. C'est des goulou-goulou, exactement. Non, bah, rien à foutre qui me fait un embargo à la Pologne. Alors là, franchement. Je lui chie dans la bouche. Exactement. Ah, ah putain, ça y est, le Saxon qui vient de passer une nouvelle réforme. Putain, ça fait la troisième. Bravo. Non, mais le français. Le mec, il est. Il a ramené des taxis, quoi. Comment il fait pour aller aussi vite? Ouais, je vais perdre parce que mes hommes sont pas assez rapides, en fait. Ouais, c'est ça. Mais lui, il utilise la marche forcée. Et ce qui m'agace au niveau de la marche forcée, c'est que toi, quand tes mecs combattent et qu'ils sont en marche forcée, ne reprennent pas d'organisation. Par contre, l'IA, elle peut. Ah, oh bah oui, bah évidemment. Parce que t'as cru que nous, on était plus forts que l'IA? Ah, mais non, nous, en fait, le seul truc qu'on a par rapport à l'IA, c'est qu'on a un cerveau. Et que après, bon bah. Ça on est censé à peu près être capable de l'utiliser. Allez, on va détruire 10 000 Liégeois, comme ça va les calmer ces gens-là. Bon bah, j'arrive sur la province, ils sautent tous d'un coup. C'est pas beau. Tu en as fait de la chantilly? Oh voilà. La chantilly. Bon, elle était drôle celle-là quand même, hein, putain. Pas mal, pas mal, la chantilly. Merci. Ah, putain, mais ces sièges, je sais pas en quoi elles sont faites, les forteresses congolaises, mais en tout cas, c'est pas en chocolat, hein. Punaise, elles sont imprenables, hein. Ou alors c'est les Congolais qui ont un moral en béton armé, je sais pas. C'est en merde d'éléphant, tu sais. Oh, je sais pas, ça... mais la vache, hein, dis donc, ils sont costauds, hein, les petits gars. Ah, le Vinland est en paix, et c'est plus du tout un satellite de la Norvège. Donc en clair, si je suis en guerre contre lui... Je peux faire ce que je... Bah bouffe-le. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Impérialisme, ouais. Ah bah tiens, le Canada vient de se former. N'importe quoi. Ah il est joli. Oh putain, j'adore son drapeau. L'Ottoman. Et enfin... À Rome. Ouh, l'Ottoman à Rome, GG. Voilà, l'ultime troll de l'Ottoman. Oh putain, Rome. 300 points administratifs. Ah bah ça pour Corée, accroche-toi bien. Ça pique. Ouais. Ça pique. Conquête de Rome, plus un missionnaire, prestige. Oh t'es sérieux? Ouais. Oh, c'est affreux. T'as joli, hein. Donc là tu vas... le Panthéon, il va devenir une mosquée. Le Milan est indigné. Tout le monde est indigné. Vous m'aurez jamais. Pépates, fais rien contre moi. Le Canadien, est-ce que tu veux devenir mon vassal? Non. Bon, bah très bien, on va te déclarer la guerre. Bon, bah mes soldats vont passer le détroit de Gibraltar. Hein. Allez, hop, c'est parti, je laisse mes colonies le faire. Naples m'insulte, non mais... tu cherches la merde, toi. Hey Youn, tu pourrais faire un truc? Quoi? Entre dans la coalition de la France. Ouais, mais si jamais il m'attaque, moi je pourrais pas me défendre tout de suite, hein. Donc, et puis de toute façon, je suis en guerre là. Hey, je suis en guerre, je peux pas. T'es en guerre de quoi? Bah, je suis en guerre contre le Congo, je suis en guerre contre Malindi, je suis en guerre contre le Canada. Bah, vite finis ta guerre, tu rentres dans la coalition et tu déclares la guerre à la France si tu peux. Et ouais, je peux toujours essayer de faire ça. Par contre, moi je me battrai pas si ce n'est dans ma zone. Hein. Non, mais juste tes bateaux s'il faut. Hein. Non, c'est juste pour que toute l'Europe lui saute dessus. Ouais. Ouais, je suis sûr qu'il va être capable de tenir tout le monde, ce connard. Ouais, mais on sait jamais. Il a une coalition de Augsbourg, Brandebourg, Austria, Cologne, Magdebourg, Saxonie, Suisse. Mais il souille tout le monde. Ouais, sauf qu'avec moi d'un côté et puis tout ça de l'autre, il souillera pas grand monde. Hein, Bah, permets-moi d'en douter. Hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est un renfort ottoman. Non, ce qu'il nous faut surtout, c'est qu'il soit occupé dans son dos pendant que moi je reprends mon pays. C'est ça qu'il faut. Moi, je m'en fous du reste. Ouais, faudrait que la Pologne lui saute dessus. Le Polonais ressent pas son expansion agressive.
Ah, c'est casse-couille ça, c'est pas possible d'être complètement cheaté. Moi je suis espagnol, je suis sûr que le polonais il peut rentrer dans ma coalition si jamais je suis trop gros, c'est... Non, 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 le polonais pourra pas. Voilà, il prend Burgos, allez, la vie est belle. Désolé, enfin, mes amis qu'il... canadiens, je vous aime bien, mais c'est juste pour vous apporter le joug anglais. Le thé. La Russie est totalement sous siège, c'est beau. De ouais. Siège de qui? L'Oirat. Oh, l'Oirat, mon dieu. Ah, mais dégage. Voilà, c'est bon. Oh mon dieu. Magnifique. La Russie est blanche. Je suis en train de construire des mosquées à Rome. Ah, mais ils sont protestants à Rome. Ah, mon dieu, quelle horreur. Bon, j'ai arrêté d'exploiter les nègres. Oh. Maintenant, j'exploite les éléphants. Encore pire. Bon. Tu trouves que la vie d'un éléphant vaut plus que la vie d'un nègre? Oui. Mais Star, tu es affreux. Oui. Parce que là, moi, mais le souci, c'est que mes sièges, j'ai une forteresse niveau 4 congolaise. Je sais pas, il doit y avoir des défenses en béton armé ou en peau d'éléphant, j'en sais rien. Bah, tu fais comme moi, tu les envoies à l'assaut, et puis. Ah, bah voilà, c'est ça te fait une pile de cadavres. Ça fait une pile de cadavres, et tes soldats peuvent monter dessus. C'est un peu comme dans Starship Trooper. Et j'ai fait pareil. Voilà, full annexion du Congolais. Bon. Oh, mais en plus, ils sont catholiques. Mais j'y crois pas. Oh là là, cette guerre affreuse. Bon, bah, je vais attendre que mes hommes fassent des bébés. Hein. L'Ethiopie, est-ce que t'as un de l'or chez toi de l'Ethiopie? Voilà, le Canadien est mon vassal. Le drapeau ottoman qui va flotter au-dessus de la basilique, temple, mosquée... Saint-Pierre. Saint-Pierre. Un. Deux. Trois. Attends, quatre. Ah bah d'accord. Ah bah Scorpion, mon vassal vient de déclarer la guerre à ton mignon. Ah ouais. Bon, on fera une paix blanche. Oh, t'es vraiment une pute. T'es allé trop loin. T'es allé trop loin à prendre Rome. Je vais te la faire relâcher, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde ma mission. Où est-ce que je vois ça? Rétablir Saint-Siège. Ah oui, alors attends. Ouais, c'est bon, je l'ai. Restore the only. Oh là là, super. Allez, on va créer des galères. Allez, oh parfait, le carré napoléonien. Ça y est, je l'ai. On va créer des galères par milliards. Oh bah ton mec, il m'a tout bouffé. Ah oui, bah fallait pas qu'il lui déclare la guerre. Hein. Ouais, bah là ça va être mon tour. Hein. De quoi? Si tu pars en guerre contre l'Ottoman, je te backstab et je récupère. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah c'est à moi, hein. T'as récupéré des mines d'or, voilà, là tranquille. J'ai récupéré, mon vassal a récupéré. Ouais, bah tout, écoute, hein, t'avais qu'à le garder en laisse, ça c'est pas je mon problème. Je ne peux pas, et toi t'avais qu'à le garder en laisse aussi, c'est pas mon problème. Donc moi, tu me déclares la guerre, je te détruis ta flotte, je m'en bats les couilles. Ah bah très bien, allez hop, Master, ça te dirait une petite alliance? Mais oui, tout à fait. Alors hop, je t'envoie immédiatement un diplomate. Et qu'est-ce que t'as, le polonais? T'as pas assez d'armée? Pourquoi, il est en train de perdre? Ah bah, y a pas d'armée en face de moi. Ah, t'as attaqué le polonais? Bah, si Scorpion veut s'allier à lui, je vais le... C'est vrai, c'est une bonne idée. Attends, tu gagnes pas la guerre. Ah non, je gagne pas la guerre, parce que il faut que je me mette à deux contre un. Bah, le souci, c'est que là, le français, comme il est terminé, il ne peut plus du tout contrer. Là, le Commonwealth, il peut ramener toutes ses armées vers toi. Il faut s'allier. Los Perros des Américains vient de déclarer la guerre à British Mexico. Ah bah oui, mais bon... Ah non, mais là, ça va pas le faire. Hein. Bah on va ramener les hommes. Tu t'en occupes, hein, parce que moi, je débarque pas là-haut. Hein. Tu leur fais ce que tu veux, mais moi, je débarque pas. Hein. Je veux rien avoir à voir avec cette guerre. Hein. Puis ça se trouve, il va même pas t'appeler, ton mec. Hein. T'as une super belle armée, hein, Master, hein. Joli. Je suis ottoman en même temps, hein. Ouais. Ah, mais joli. Vraiment très joli. Mais là, je suis en train de faire la doctrine de qualité, ça ira un peu mieux. Ouais. Tu crois? Attention, il y a 25 000 à Moldave, là, aux côtés de la Moldavie. Ouais, je vois ça. Commonwealth, 25 000 hommes, général 2 étoiles. Ouais, c'est bon, moi j'ai tenté un coup de dé risqué et finalement le coup de dé est passé. Putain, mais ça m'énerve, on peut pas intervenir. Putain, pourquoi il n'y a pas l'option intervention? Ouais, pour la peine, je vais faire des canons bougnoules. Mais pourquoi t'as pas l'objectif de guerre là? Si, j'ai pris impérialisme. J'aurais pas dû. Ah bah faut pas, hein, putain, l'impérialisme, mais ça c'est le truc. Il faut surtout pas le lancer s'il y a une... Sauf si t'es sûr de gagner. Ouais, sauf si t'es sûr d'avoir la capitale. Hein.
Tu m'aurais porté, tu m'aurais demandé conseil. Tu m'aurais dit de la merde. Putain, mais cet enfoiré, il va pas m'appeler. Je vais encore perdre une colonie, mais j'y crois pas. Putain, normalement, quand on déclare, quand il y a déclaration de guerre contre un contre une colonie, il devrait y avoir appel immédiat de la nation mère. Ou alors la nation, elle pourrait rentrer dans la guerre elle-même, tu vois. Ça oui, serait pas ça, mal, ça. Ça, ce serait pas mal. Parce que là, on peut rien faire, quoi. Je suis condamné à les regarder. Relâche la province, Master, sinon tu vas y rester pendant... Mais je peux pas, il l'a pas pris. Faut qu'il la prenne avant. Ce con, il la prend même pas. Oh putain. Bah, ça aussi, ça me fait chier. Oh mon dieu, il est en train de passer 150 000 troupes de l'autre côté. Oh putain, je suis perdu. Bah, t'étais pas foutu en défense. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas d'armée. C'est con, elles disparaissent toutes. Tu peux pas augmenter un peu la vitesse? Non, je peux pas, il peut pas parce que j'ai trop de bordel. Bah, tu te replies au Bosphore, puis au pire, tu le laisses prendre la mutanie, tu fais comme moi. Tu te replies à Wii. Il veut pas prendre la mutanie, ce con. Puis après, il va me demander autre chose parce qu'il y a pas assez. Bon, déjà, si la Crimée pouvait. Que ça aiderait même pas puisque. J'ai bientôt plus de manpower. Ah, je suis entré en guerre contre toi, Yuna. Ouais, parce que j'ai fait quelque chose qui m'a permis justement de répondre. Impérialisme ? Non. Non. J'ai juste demandé à ton mec d'arrêter la guerre. Ah, il a pas voulu. Donc t'as gagné un Cassius Belli. Bah non, justement, en fait, quand tu forces quelqu'un à la paix, en fait, tu es immédiatement considéré comme étant belliqueux. Donc tu déclares automatiquement la guerre. D'accord. Voilà. Bon. Après, si tu veux, Scorpion, je suis prêt à ce qu'on fasse la paix blanche, donc auquel cas, vu que tu es le chef de l'Alliance maintenant, mon British Mexico restera intact. C'est toi qui vois. Bon, tu sais ce que je vais faire, je vais faire disparaître toutes mes armées. Non, fais pas disparaître toutes tes armées. Mais tu veux que je les mette tout? Bah, Bosphore. Barre-toi à Chypre. Mais j'ai pas assez de bateaux. Ah merde. Bah attends, crée une troupe à Chypre et puis fais-les toutes disparaître. Fais tout disparaître et crée-en une à Chypre et tu l'empêches de sortir. Attends, j'ai un bateau. Très bien, le Suédois a 3 généraux 3 étoiles, le Polonais en a 4. Moi j'en ai eu qu'un tout le long de la partie. Putain, mais au lieu de prendre le Zizi de l'America, venez donc plutôt au concentre du combat, bande de cons. Voilà à quoi il sert, mon Zizi. Oh là là, mais ça, qu'est-ce que ça m'énerve. Les IA que tu peux pas contrôler comme il faut, mais c'est n'importe quoi. Ça m'agace, tu peux pas savoir. Allez, on fait une paix blanche parce que c'est trop lent, la master, je sais pas ce qu'il fait. Mais je peux pas, parce que okay. Ce con, il veut pas prendre son objectif de guerre. Il veut pas. Mais ça change rien, tu te replies sur le Bosphore et tu laisses la vitesse plus haute, non? Mais je peux pas, parce qu'il lui arrive des deux côtés, parce que j'ai oublié de décrocher la Crimée. Ah merde. Ah merde. Mais si tu veux, là j'ai des troupes plein le Caucase, de généraux 3 étoiles, forcément. Et de l'autre côté, il y a rien. Du côté de la Grèce, il y a une armée suédoise avec un général 3 étoiles. Et puis là, il vient de mettre tout juste une armée de 20 000 hommes pour prendre la Muténie. Puis en plus, ce con, comme je le connais, il vaudra autre chose. Non, je construis des mercenaires histoire de les occuper un petit peu. C'est sûr. Ah, mais comment ça se fait qu'il arrive dans le désert, ce con? Comment il a pu passer? Il a pas le... Ouais, il arrive toujours à passer. Comment ça, il peut pas passer par le désert? Ah, les gars! Je sais pas, il a pas l'accès. Bah ouais, je me suis réfugié dans le désert, il est ce con, il a réussi à passer. Mais c'est normal, c'est parce que quand l'un normalement donne le passage à l'autre, c'est dans une guerre, l'autre est obligatoirement accepté. Ou alors aussi, les Jazz, bah lui, vu qu'il s'en fout un petit peu de toi et de lui, il va accepter par défaut. L'IA, elle regarde pas trop. Faut vraiment qu'elle vomisse quelqu'un pour lui refuser un accès militaire. Même quelquefois, quelqu'un avec une flamme peut t'autoriser à passer. Bon, la Moldavie, le Danemark, tu veux pas arrêter Je veux dire, t'es en rouge dans le truc de guerre. Non, il veut pas. Il veut absolument... Alors, si je me vous vaincu, non, il veut pas de l'or. Même quelquefois, en plus, quand tu lui donnes de l'ordre en concédant la défaite, ça te donne un score encore plus négatif parce qu'il considère que ouais. Tu fous de sa gueule.
Non mais le mec il est en rouge dans la lassitude de guerre, il veut absolument continuer. Ah oui, non mais ça la lassitude ils s'en foutent hein, quelquefois ils sont prêts à s'effondrer sur eux-mêmes, puis vu que regarde au Commonwealth, l'unrest n'existe pas. Ils savent même pas ce que c'est hein. Maintenant j'attends. Ouais bah vas-y, attends et éventuellement peut-être procède à une contre-attaque là, tu vois, tu peux éventuellement déjà il a 50 000 hommes du côté de Tabouk. S'il va du côté de Tunis, toi ce que tu peux faire c'est tenter une attaque éclair depuis Adana en attaquant Issoul. Et ensuite, hop, tu te replies à Chypre, tu lui fais que des petits coups comme ça de... Je vais essayer de faire popper un général 3 étoiles, ça va me coûter cher, mais... Il y a Bourgogne qui a popé. La Bourgogne a popé ? Ouais, ah ouais, en France ! Le français a explosé. Le français a explosé. Et la Bretagne ! La Bretagne est de retour dans le Morbihan ! Oh oui ! Celui-là en Égypte, c'est le roi. C'est le roi polonais que je suis en train d'attaquer. Johannes II, oh, Albertus... Salope, mange, mange. Putain, 10-6 de morale, le polonais, mon dieu. Il est balèze, mais hein. Mais à chaque fois que j'augmente, lui aussi, il augmente. Voilà, c'est bon, là. Oh, voilà. C'est cette petite escarmouche, là. Le français a éclaté. Ah non, c'est dommage. La Bretagne a récupéré, par contre. Ouais. Ouais, la Normandie, la Provence. Rien à dire. Voilà, escarmouche réussie. On retourne à la base. Les opérations de Chypre. Pourquoi lui il a un roi 3 étoiles? Attends, moi si je... Mais attends, attends, non, te barre pas. Il s'est reculé à le Jarbia là. Ah mais j'ai cru qu'il allait partir plus loin. Ah, non, là vas-y, essaye de réattaquer et annihile son armée. Là c'est possible. Et à mon avis, il a dû. Ouais, t'aurais dû te mettre directement à Alexandrie. Le passage n'a pas suivi, enfin. Ah oh, putain, j'en pouvais plus de voir le passage, merde. Hop, je backstab à mon tour le français. Ouais, allez, hop. Alors, bien, c'est rien. Putain, il a une paix à 100, ce connard. C'est bon. Crac, enculé. T'as perdu 2 territoires, quoi. J'ai perdu 3 territoires. Ouais, oui, t'as perdu Urbino. Ouais. Ah, les terres d'Urbino. Bon, on peut monter à 3, là. Rome est toujours sous le contrôle des musulmans. Ah bah il en voulait pas de Rome, hein. Je veux pas dire... T'inquiète pas, mais moi Rome, je vais la sauver. Bon, je passe à 3 hein, en vitesse. Hein. Non, vous laissez à 2, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas grave, t'as plus rien à gérer là. Tu parles, j'ai un espagnol sur le cul. Mais il est pas... Mais attends, là il est même pas en guerre contre toi, donc recrète tes troupes. Ouais, oui, prends ton temps, je la prépare pas maintenant moi ma guerre contre vous. Hein. Va faire une monarchie féodale, hein. Lui, j'ai un peu changé de gouvernement. Maintenant, nous sommes une monarchie despotique. Très bien. 2 mois plus tard, maintenant, nous sommes une monarchie féodale. Très bien. 3 mois plus tard, nous sommes une monarchie parlementaire. Vous vous foutez de nous ? Non, non. Ah, non.